Alors le projet, c'est un partenariat entre l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse, EAO, qui est une structure allemande, une association qui travaille sur les questions du développement durable, et les CMEA, qui sont donc une association complémentaire de l'éducation nationale. Et du coup, on intervient de manière complémentaire. Moi, je suis professeur, j'interviens souvent sur de la formation de professeurs, et notamment sur la question de l'interculturalité, de la méthodologie de projet, du développement durable. Et là, ça implique les trois dimensions, puisque c'est à la fois des projets en interculturalité qu'on veut faire, entre des profs français et des profs allemands, des profs en France, des profs en Allemagne, et en plus sur le thème du développement durable. Projektorientierten Schulaustausch zu machen, ist wirklich eine ganz neue und auch eine ganz andere Form dessen, was man bisher unter Schulaustausch verstanden hat oder versteht. Das Zweite ist, dass Sie sich mit dem Thema nachhaltige Entwicklung beschäftigen und darüber nachdenken, wie die Themen der nachhaltigen Entwicklung in den projektorientierten Schulaustausch integriert werden können. Es ist also eine hoch innovative Angelegenheit hier, die, das zeigt zumindest die bisherige Arbeit, sehr viele Anregungen und sehr viele Impulse für den zukünftigen deutsch-französischen Schulaustausch in sich bergen. L'intérêt pour les enseignants en participant à cette semaine de formation est d'avoir l'opportunité d'élaborer dans un cadre binational des projets qu'ils peuvent ensuite réaliser dans le cadre des échanges scolaires sur les thématiques du développement durable, c'est-à-dire que pour ce faire, nous leur donnons bien évidemment aussi tout un tas de paquets méthodologiques pour leur donner des outils en main, des outils qui viennent de l'extrascolaire et qu'ils peuvent adapter dans le contexte scolaire. C'est-à-dire qu'on est dans notre approche, en partenariat avec les CMEA et avec l'OFAGE, sur une mise en synergie des approches extrascolaires et des approches scolaires. On a toujours besoin d'idées, de confronter nos pratiques. On a besoin d'idées nouvelles, de méthodes nouvelles. Voilà, comment aussi travailler de façon ludique sur une question si sérieuse que le développement durable? Comment travailler en intégrant peut-être le corps, en intégrant peut-être d'autres moyens d'expression, qui sont le jeu, le sketch, pourquoi pas la chanson, enfin, voilà. Présenter, proposer, penser, planifier un échange en termes de dynamique de projet, ça veut dire créer un fil rouge thématique, cela veut dire créer une autre dynamique de groupe binational et permettre aussi à l'école d'élargir son rayonnement en termes de dynamique de projet et d'atteindre un succès auprès des élèves pour inscrire dans la durée les échanges dans les établissements scolaires. C'est important pour les élèves d'avoir un projet et dans le cadre de ce projet d'utiliser la langue. Et comme ça, ils se rendent bien compte qu'on est là pour utiliser la langue parce que c'est une nécessité, c'est un outil pour monter un projet entre jeunes français et jeunes allemands plutôt que d'avoir une connaissance théorique académique de la langue sans en voir l'usage sur le terrain. En fait, la langue n'est pas le but en soi, mais c'est un Mittel zum Zweck, un moyen pour atteindre une fin. Et par ce biais-là, elle atteint une dimension valorisée. Wir empfehlen für den projektorientierten Schulaustausch, Themen anzusprechen, die unmittelbar etwas mit dem Lebensumfeld zu tun haben, die die Schülerinnen und Schüler im fremden Land dann vorfinden oder in dem Gastland vorfinden. Das sind Themen, die etwas mit dem Lebensstil zu tun haben, mit Einkaufsgewohnheiten, mit Ernährung, mit Konsumgewohnheiten, mit Freizeitverhalten, mit Mobilität. Das sind alles Themen, die unmittelbar und ausdrücklich zum Themengebiet oder zum Problembereich der nachhaltigen Entwicklung gehören. D'abord, on fait déjà l'échange depuis 6 ans ensemble. Et cette année, notre thème, c'est le thème de l'eau. Also dieses, dieses Thema, also kann uns also aus verschiedenen Gründen interessieren, denn erstmal wohnen wir beide am Wasser. Ich meine, Dresden liegt an der Elbe, Dinant liegt an der Rance
Und non liegt auch nicht sehr weit vom Meer entfernt. Mm. Et pour l'eau, avec la chimie, la physique, biologie, aussi l'histoire géo, moi je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de possibilités de travailler vraiment sur un projet qui va aussi servir pour le développement durable. Il y a tout un tas de sujets qui sont attachés à l'histoire-géographie, attachés à la SVT, attachés aux maths, qui peuvent se retrouver sur la question de l'alimentation. Et du coup, ça touche aussi et les professeurs et les élèves, la question de la malbouffe, la question des OGM, la question des légumes de saison, la question des emballages, la question du nombre de kilomètres que la tomate a fait pour venir jusque dans notre assiette. Et c'est des sujets qui sont relativement aisés à aborder entre élèves, par exemple, français et élèves allemands. Ich habe mich jetzt für das Thema Ernährung interessiert, weil ich da bei meinen Schülern das Ganze im Argen sehe, durch den Bezug, den ich zu der alternativen Schule habe, in der alles Bio ist und in der wir sehr aufpassen, was wir essen und in der wir verantwortungsbewusst mit dem Thema umgehen. Liegt das alles auf der Hand, aber in den beiden Colleges, in denen ich jetzt bin, überhaupt nicht. Und ich möchte meine Schüler also in die Richtung sensibilisieren. Und da passt das auch super zu diesem interkulturellen Austausch, denn dann kann man die Schüler auf der anderen Seite der Grenze gleich mitmotivieren. Donc si je faisais un projet sur le développement durable dans les jours à venir, ce serait tout d'abord en faisant échanger des jeunes d'origines différentes, de cultures différentes, sur des sujets d'actualité. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Qu'est-ce que je mange à midi? C'est quoi ma journée type? C'est quoi mon environnement? Pour à partir de là déjà comprendre qu'il n'y a pas un seul mode de vie, qu'il n'y a pas un seul mode de pensée et que du coup ça nous permet de prendre un petit peu de recul par rapport à nos habitudes et nos certitudes et de se questionner et de se dire mon rapport à l'environnement qui n'est pas celui des jeunes maliens, des jeunes sénégalais, des jeunes finlandais, etc. Eh bien peut-être que ce n'est pas le seul et que je peux l'interroger, que je peux être critique par rapport à ça.